Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, carterie, voilà. On va faire sonner les cloches aujourd'hui. Oui, parce que c'est Pâques ce week-end. Donc j'ai des cartes à faire, voilà. J'ai 3 cartes à faire pour mes petits-enfants, mes 2 petites filles et mon petit-fils, donc qui habitent juste près de chez moi. Et je vais faire également une carte pour le fils de Chouchou, donc de mon mari, pour ceux qui ne connaissent pas encore qui c'est Chouchou. Donc, c'est mon mari. Donc, lui, il habite à côté de Lille. Donc, je vais lui faire une carte. Bon, vous avez peut-être trouvé la carte un peu enfantine pour Pâques. Bon, lui, il aime bien ces cartes-là, mais bon, j'explique tout de suite. Alors, je ne sais jamais réellement son âge. Il a plus de 30 ans, mais il est handicapé. Si vous voulez, il est beaucoup plus jeune dans sa tête. Il a entre 12, 13 ans, 14 ans dans sa tête. Voilà. Donc, même si je lui fais une carte avec des petits lapins, des choses comme ça, ça va lui faire extrêmement plaisir. Voilà. Je n'ai pas besoin de lui faire une carte comme pour les adultes. Il va préférer avoir une carte avec des petits lapins. Voilà. Donc voilà, je vais faire une jolie carte, comme je lui fais toujours pour Noël, pour son anniversaire. Voilà. Je fais exactement comme pour mes petits-enfants. Et puis, je n'oublie jamais, hein, puisque je me suis occupée de lui pendant plus de 7 ans. Voilà. Donc, c'est un petit peu mon fils, si, par procuration, voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais faire la carte pour lui et je referai une autre vidéo avec les 3 cartes de mes petits-enfants. Voilà, puisque pour lui, il faut que je la fasse absolument aujourd'hui, puisqu'il faut que je la mette à la poste, voilà. Pour qu'elle arrive à temps chez lui pour Pâques. Et mes petits-enfants, là, il n'y a pas besoin de les poster, puisque, hop, je vais à la maison, il y a moins de 10 maisons, et je vais chez eux. Voilà, puisque de toute façon, il ne faut pas le dire, il y a des chocolats avec la carte. Les cloches vont passer chez moi. Bon, la grande a 13 ans, hein, mais bon, c'est pareil, elle aime bien avoir son paquet de chocolat. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire la carte pour Michael. Alors, comme d'habitude, je fais ma vidéo à l'arrache. Alors d'abord, je voulais remercier tout le monde, toutes les personnes qui m'ont mis un petit mot sur ma vidéo précédente. Je vous remercie tous. Je remercie aussi ceux qui ont été mettre un petit commentaire sous le commentaire de la personne. Voilà. Donc, je vous fais à tous des gros, gros bisous. J'ai commencé à répondre à tout le monde, mais bon, ce matin, mais je n'avais pas fini. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais répondre à tout le monde comme d'habitude. Donc, voilà. Parenthèse fermée. Donc, voilà. Pardon. Il y a un chat dans la gorge. Donc, voilà, je vais faire la carte. Et puis, voilà. Donc, je vais changer. Alors, là, je vais faire la vidéo avec mon téléphone. Parce que déjà, mon caméra, j'avais oublié de recharger ma caméra. Donc, elle charge. Et puis là, du coup, je vais faire avec mon téléphone. Ce sera aussi bien. Voilà.
Allez, je change de vue pour que vous puissiez bien voir ce que je suis en train de faire et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, me voici, j'ai installé mon téléphone, donc j'espère que ça ira. Donc le fond de carte, voilà, j'ai pris une... alors c'est le paquet, viens, je t'ai mis où? Je t'ai mis là. C'est ces paquets-là. Alors, c'est les double cartes, bien sûr, mais c'est celles qui brillent un petit peu. Donc, j'ai pris la bleue. C'est un garçon, hein, Michael, donc on va mettre ça. Je vais prendre celle-ci, que je vais mettre en fond. Donc, on va... Hop. Mon bureau n'est pas rangé, donc c'est le boxon. Mais bon, tant pis, hein. J'ai pas rangé depuis le temps que j'ai fait la page de scrap. Donc, vous inquiétez pas, je dois encore faire les pages de scrap. Je vais les faire. Hein. Hop. Ah oui, ça fait pas net, 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 hein, quand on coupe. Mais bon. Alors, le petit bout là. Hop, voilà. C'est bon. Ensuite, je voulais faire quoi? Ah, j'ai oublié de prendre ma corbeille à chute. Ma corbeille à chute. Elle est où? Elle est où ma corbeille à chute? J'ai perdu ma corbeille à chute. Ah ben, mince alors. Ne sortez pas, ne bougez pas. Ah ben, elle est là. Elle était juste devant mon nez. Voilà, ça c'est ma corbeille à chute. Donc, allez, on va te pousser, toi. Hop. Comme ça, si j'ai besoin d'une chute de papier. Voilà. Donc, on va essayer de chercher une chute. Chute. Là, en voilà une, mais qui ne sera pas assez grande. Dommage. Dommage, dommage. Ça, c'est abîmé. Alors, je n'ai pas préparé mes papiers. Hein. C'est bien ce que je disais. Je peux à l'arrache, comme d'hab. Mais bon. C'est pas grave. Là, pareil. Parce que bon, avant de couper dans une grande feuille, j'essaye de voir si j'ai quand même des chutes qui pourraient aller. Voilà, là, par exemple, j'ai une chute qui pourrait aller. Voilà. Donc, on va faire dans l'autre sens. Ça ira mieux pour marquer. Donc, ça, c'est pareil. C'est des feuilles cartonnées d'action. Ils en font plus en ce moment, des comme ça. Ça fait longtemps que je les ai. Voilà. J'aurais quand même dû ranger mon bureau avant. Hein. Mais bon. Hop, une petite chute. Et là, j'ai mis où? Ah, voilà, chercher. Donc cette carte va quand même, je pense, aller assez vite à faire. Alors, je voulais faire un fond avec ce classeur d'embossage, mais en fin de compte, non, ça ne se verra pas. Donc, c'est pas la peine.
Allez, je vais déjà coller ça. Alors, je vais tout mettre en 3D pour avoir de... pour que ce soit plus joli. Alors voilà, donc comme je vous disais, donc Michael, moi je m'en suis occupée avec, avec Chouchou, bien sûr. Pendant 7 ans, je l'ai eu de l'âge, enfin un peu, non un peu moins de 7 ans, je crois. Je sais plus, bon, enfin je l'ai eu de l'âge de 13 ans hein, jusqu'à l'âge de 18 ans, 19 ans. Après, il a voulu retourner chez sa mère. On l'avait pris avec nous parce qu'il s'entendait pas avec, il s'entendait plus avec sa mère. Si vous voulez, il a, et dans son handicap et en même temps, il est bipolaire, donc c'est compliqué. Sa mère avait du mal à, je comprends totalement, avait du mal à s'en occuper. Et donc on l'a pris avec nous. Et c'est toujours été mon mari qui s'en est occupé presque toujours depuis sa naissance. Donc quand elle s'est retrouvée toute seule avec lui, ça a été très compliqué. Et puis un jour, c'est 18-19 ans, il a pété un câble. Son côté bipolaire est ressorti et il s'en est pris à son père et il a voulu repartir du coup chez sa mère. À moi, il s'en est jamais pris à moi. Il s'en est jamais pris à moi parce qu'il savait que qu'il pouvait pas. parce que bon, moi je l'ai toujours considéré comme un enfant normal, c'est-à-dire tu fais une connerie, t'es puni. C'est pas parce que tu es handicapé que tu dois pas être puni. Voilà. Et donc il a toujours eu, c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais il a toujours eu beaucoup de respect pour moi. Il m'a toujours beaucoup aimé, même encore maintenant. Et je pense que c'est pour ça, parce que je m'en suis toujours occupée comme d'un enfant normal. Bon, par contre, le jour où il s'en est pris à son père, là, j'ai vu rouge. C'est même moi qui a fait sa valise. Mais bon, il m'en a jamais voulu, hein. Heureusement, mais bon. Là, il revient de temps en temps. Il nous téléphone toutes les semaines. Et puis, de temps en temps, parce qu'il travaille, bien sûr, dans un atelier pour les handicapés. Et toutes les semaines, on l'a au téléphone. Il nous raconte si ça a été bien avec sa mère. C'est parce que, bon, des fois, il y a des claques, hein, des crashs avec sa mère, encore. Et puis de temps en temps, il dit ah ben ce week-end on fait rien avec le centre parce que bon, surtout en ce moment avec le Covid tout ça, parce qu'ils font des sorties toutes les semaines, ils font des voyages, ils s'occupent bien d'eux. Et quand il n'y a pas de sortie ni rien, ben ils nous téléphonent, ils nous demandent s'ils peuvent venir passer le week-end. Donc il vient passer le week-end avec nous. Oh, il est pas chiant hein, parce que lui, il écoute sa musique. Il regarde ses revues et puis hop, c'est tout. Et comme là, il va recevoir sa carte, mais il va pas dire tout de suite qu'il a bien aimé sa carte. Il va attendre au moins une quinzaine de jours avant de dire oh, elle était belle la carte. Comme sa carte d'anniversaire, il l'a dit au moins un mois après pour dire qu'il avait aimé. Mais bon, il est comme ça. C'est son charme. Donc voilà, vous voyez, j'ai collé mes petites cartes. Alors, je voudrais
Mondaise pour faire les étiquettes. Alors, je prends celui-ci et celui-ci, si je ne me trompe pas. Voilà. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que là, du coup, j'ai plus l'habitude de faire avec mon téléphone. Donc, je vais mettre ça. J'ai perdu le nom. Je vais vous le remettre sur l'écran. Voilà, donc Joyeuse Pâques, oui, il y a les petits œufs, tout ça dessus. Et voilà, j'ai des petits lapins, des poussins, des petits œufs. C'est des choses que j'avais eues par une copine lors d'un swap. Voilà, vous voyez, j'ai des petits autocollants comme ça. Donc, je vais m'en servir. Je m'en étais pas encore servi. Alors, les étiquettes. Les étiquettes. Alors, je vais regarder dans les chutes. Hein. Là, j'ai une grande chute. Toujours dans le bleu. Je vais faire le fond dans ma chute comme ça d'abord. Voilà. Je passe sur ma Big Shot. Va falloir que je pense à changer les plaques. J'ai déjà changé une fois ou deux fois. Alors, j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse. Je ne saurais plus vous dire son nom. Elle a résolu le problème des plaques. Il faudrait que j'achète le truc qu'elle montre dans sa vidéo. Le fer, je vous montrerai. Si je peux la semaine prochaine, je commanderai et je vous montrerai. Du coup, après, plus de problème de plaques. Voilà. Je vais quand même regarder si j'ai pas une plus petite chute parce que ça m'embête de taper dans une grande comme ça. Ah bah voilà. C'est du bleu ciel, mais c'est pareil. Ça fera un peu un rappel de la carte. Je ne vais pas taper dans un grand papier. Un grand morceau de papier. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Ça va, elle tient chaud quand même, ma Big Shot. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Donc ça, hop, on va les mettre sur le côté, on les rangera plus tard. Vous voyez. Avec ça, je voudrais... Alors, on va essayer de pas tout faire tomber, parce que ça, c'est mon habitude. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et voilà. Mes brades. Alors, on va chercher des brades de couleur, alors, soit doré ou soit bleu. Doré ou bleu. Qu'est-ce qui va le mieux? Ou alors bleu foncé. C'est surtout sur celui-là. Yeah. Le ciel, non, ça le fait pas. Donc je range. Alors je garde le doré. Sinon, alors bleu. Parce que là, bon, il faut des petites. Non, doré. Je reste sur le doré. Doré, doré, doré. Voilà. Voilà. Il m'en faut deux. Hop, ça, j'en ai plus besoin. En attendant, hop, on pose, on fait ça. Il me faut mon aiguille. Voilà.
J'espère que mon papier va aller. Allez, allez, allez. Hop. Donc déjà joyeuse. Ce qu'il faut, c'est le mettre droit. Ça c'est bien parce que bon, ça se colle pas tout de suite, tout de suite. Comme si je suis bien droite. Oui, je sais, je suis gnac-gnac. J'aime bien que... Alors, je vais déjà mettre le pack. Allez. Pack, pack, pack. Sors de là. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai dans les mains, c'est un poinçon. Hein. C'est pas une aiguille. Parce que je cherchais normalement mon aiguille. Mais... Alors, quand je cherche mon aiguille, je tombe sur mon poinçon. Quand je cherche mon poinçon, je tombe sur mon aiguille. Donc, là, est-ce que c'est droit? Oui, c'est droit. Donc, maintenant, je peux appuyer. Voilà. Donc j'avais des tampons aussi, hein, ma joyeuse pack, mais bon, je n'avais pas envie de m'embêter. Je n'avais pas envie de m'embêter aujourd'hui. Donc on va y mettre des petits neufs. Allez, des petits cocos. Viens là, toi. Mais viens là. Il ne veut pas venir. C'est quoi ça? Un petit coco là. Et un autre coco ici, on va en mettre un plus grand. Voilà, superbe. Je n'avais pas vu. Pour une fois, c'est pas fabriqué en Chine. Made in Holland, c'est bien. Pour une fois que c'est pas du chinois. Voilà. Alors maintenant, il faut que je trace, enfin que je repère le milieu. Alors le milieu, je suis. Ouais, là. Et là, à peu près. Le même trait, voilà. Donc ça, c'est pour mettre les brades. Et ben alors, je ne veux plus rentrer. Voilà. Donc, elle tourner dans le bon sens. Voilà, premier brad. Le deuxième. Donc, c'est un petit trompe-l'œil, si on veut. Ça fait croire qu'on les a attachés avec des brades. Allez.
pardon, le téléphone a bipé. Voilà. Donc, maintenant, ça, ça va aller là-dessus. Et pour faire ça, on prend son 3D. Donc, on essaye de le mettre sur les brades, comme ça. En plus, ça tient. Ce matin, je suis allée faire 2-3 courses. Il me fallait une course en Belgique, puisque moi, je suis frontalière. Hein. Je ne suis vraiment pas loin de la Belgique. Donc, je prends mon attestation, parce que moi, en étant frontalière dans le Nord, je dois prendre une attestation pour aller en Belgique, qui me sert... à 99% à rien. Et donc ce matin j'ai pris mon attestation, mon papier de domicile, parce qu'il faut aussi. Je passe la frontière personne. Je ressors de la Belgique. Il y avait une queue. Il y avait la police belge qui était en train de contrôler tous les Français. J'ai dit, bon, ben, ça va, je suis passée au bon moment, mais bon, j'ai encore imprimé une attestation pour rien. Et... ah, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. On va faire ça. Voilà. Ah, oh, j'arrive pas à le mettre au milieu, c'est quoi ça? Bon, on va faire autre chose. Huit et demi. Et ça, ça fait 7. Faut que je mette 7 dans 8,5. Donc, 8,5. J'enlève 7. Il me reste 1,5. 1,5 divisé par 2. Allez-y, les filles. 1,5 divisé par 2. Ça me fait 75. Voilà. Normalement, c'est bon là. Ouais. Je vous jure. Voilà. Bon. 2 heures pour faire une étiquette. Donc, voilà. Alors, après, qu'est-ce que je vais lui mettre? J'aime bien, c'est ce petit lapin. J'aime bien ce petit lapin. Il est trop mignon. Ce petit lapin en mousse, non. Pour lui, il n'aime pas. Alors ça, ça venait de chez Emma, de la boutique Emma. J'aime bien ce petit lapin. Donc l'étiquette, on la mettra après. Voilà, je mets là. Non, là.
colle bien là-dessus. Ou on va remettre de la cocolle. On va remettre un petit peu de cocolle. Voilà, c'est plus prudent. Voilà. Moi, je serais sûre que ça tiendra bien. Là, pour l'instant, c'est pas encore vraiment collé, mais je joue avec ma colle scotch. Des petits œufs. Voilà, bon. Elle est super simple, hein, sa carte, mais bon. Voilà. Bon, mais lui, il va l'adorer. Voilà. Les petits œufs qui tombent. Je vais mettre ça pour voir où je mets mes œufs après. Là, c'est Chouchou qui est au fourneau. Enfin, on mange que le soir. On fait un repas par jour chez nous. Donc, ça va. Pas de petit déjeuner, pas de repas le midi. Le goûter. Oui, avec mes gâteaux. Et sinon, on mange le soir. Donc là, je sais qu'aujourd'hui, ils ont fait une salade de pommes de terre aux haricots blancs. Et du jambon, enfin c'est simple hein, aujourd'hui. De toute façon, je vais pas remettre un rouge à côté du rouge. Là, celui-là. Hop. Puis avec du jambon, des œufs, je crois, je sais plus. Oui, hein, j'avais fait. Goûter des gâteaux, mais ils étaient la recette que j'avais faite, ben je la referai plus parce qu'elle n'était pas vraiment, elle n'était pas du tout top. Donc voilà. Je sais pas si vous avez trouvé ça trop enfantin pour quelqu'un qui a 30 ans, mais je vous dis, en sachant que c'est une personne qui est handicapée et qui aime les choses comme ça. Hein. Je n'en vois pas ça exprès parce qu'il est handicapé. Je rappelle que c'est ce que lui, il aime. Voilà. Les petites fleurs, mais bon, non, hein, ça va faire trop. Il n'y a plus de coco. Donc voilà, je pense que ça va le faire. Alors, j'avais un bouchon. Oui.
Oui, voyez, après j'avais des œufs, mais comme ça, en paillettes. Des œufs paillettes. Pas des œufs au plat, des œufs paillettes. Alors, j'ai des petites perles bleues. J'aime bien finir avec des petites perles, mes cartes. Alors, j'ai les mini. J'ai les plus grosses. Alors, faut toujours mettre par nombre, bah c'est ça, mes œufs ils sont par nombre pair, c'est embêtant, mais enfin bon, tant pis. Faut toujours faire des nombres impairs. Enfin, essayer de faire des nombres impairs. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. Donc, bien mettre le même écart entre chaque perle. Là. Voilà. Allez. Et voilà ma petite carte de Pâques Lapinou. Alors, je sais pas dans quel sens vous la voyez là. Hop, 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 je la mets dans les deux sens. Je vous dis, j'ai plus l'habitude avec mon téléphone. Voilà. J'aime bien. Elle est toute mignonne. Il va aimer. Ça, j'en suis sûre. Bon, là, c'est pas encore tout à fait collé. Ça bouge encore un peu. Oui, hein, j'ai rien d'autre à y mettre. Ça va faire trop après. Mais non, après, c'est des fleurs, voyez. Et donc, les fleurs, non. Il y avait un gros poussin, il y avait un mouton, mais bon, ça c'est trop gros. Non, j'aime bien, il va aimer avec les œufs. Voilà, allez, je reviens vers devant vous pour vous faire le bisou. Voilà, la petite carte est terminée. Donc voilà, bon, et toute simple, hein. C'est vraiment le basique, hein. Une carte basique. Mais bon, je sais que ça va lui plaire, ça va le faire rigoler avec le petit lapin, il va aimer. Voilà. Bon, on ne peut pas lui envoyer de chocolat, hein, de toute façon. Hop, hop, hop. J'aurais trop peur que, de toute façon, qu'on lui pique les chocolats à la poste. Non, et puis il est aussi content avec une carte. Voilà. Oh, elle est toute mignonne. Puis ça brille, vous voyez. Le lapin, il brille. Bon, l'idéal, ça aurait été que j'ai Joyeuse Pâques en argent. Puisque, vous voyez, les contours sont en argent. Mais bon, j'ai pas Joyeuse Pâques en argent, malheureusement. Donc, voilà. C'est tout mignon. Ouais, j'aime bien. Allez, dites-moi ce que vous pensez de cette carte, toute simple. Moi, j'aime bien. Maintenant, je vais la laisser sécher avant de la mettre, d'écrire notre petit mot et puis de la mettre sous enveloppe. Demain, on la mettra à la poste.
Comme ça, elle va avoir le temps de bien sécher cette nuit. Dites-moi ce que vous pensez de cette carte. Si vous la trouvez mignonne, moche, bien, pas bien. Et donc demain ou après-demain, donc vous verrez les autres cartes. Je les ferai avec vous. Donc pour gagner du temps, comme là il y aura trois cartes, je ferai toutes les découpes à l'avance et on fera que l'assemblage en vidéo. Voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de plein de gros bisous. Je vous remercie encore à tous pour vos messages qui me vont droit au cœur. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et plein de vidéos à l'arrache. Allez, gros bisous, à bientôt!